Il a accepté de nous parler. Parole rare d'un personnel encore marqué 5 ans après par l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd de la maison d'arrêt de Sequedin. Benoît Normand est le représentant local du syndicat UFAP-UNSA. L'évasion hier du braqueur multirécidiviste, même si le mode opératoire est différent, réveille ici de très mauvais souvenirs. Le premier sentiment que j'ai, c'est pour mes collègues déjà de Sequedin, parce que forcément, on les a contactés hier et on est en train de ressasser un traumatisme qu'ils ont vécu il y a 5 ans, avec déjà un procès difficile l'année dernière, et je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Ils essaient forcément de se reconstruire tant bien que mal, parce que c'est quand même des souffrances psychologiques, et voilà, enfin, je pense qu'on a tous passé une mauvaise journée hier. Le 13 avril 2013, à Sequedin, Redouane Faïd avait fait sauter 5 portes et pris en otage 4 surveillants. L'homme, très déterminé à récidiver hier, spectaculairement. Ici, les surveillants ne sont pas surpris. La problématique, elle est là, c'est que, vu les condamnations qu'il a et le profit qu'il a, il savait, et puis on le savait, de toute façon, il l'avait déjà fait. Je lui ai dit, il l'a fait ici, il s'en cachait pas tant que ça, qu'il allait recommencer, mais voilà, il passe pour le beau parleur, le gendre idéal, mais finalement, il faudrait peut-être qu'il prenne en compte le fait que c'est pas non plus un enfant de cœur. Hein. Pour ce délégué syndical, cette évasion pose de multiples questions, notamment du manque de moyens en personnel accordés à la sécurité. Le centre pénitentiaire de Réau, inauguré en 2011, était présenté comme une prison modèle ultra sécurisée.